Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 du Versus Pokémon. Et aujourd'hui nous avons changé de région, j'ai déménagé, je suis dans la région de Johto. Et mon nouveau rival, ça sera Badox. Comment vas-tu? Alors, un rival, c'est vite dit. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Badox et la licence Pokémon, c'est quelque chose. Donc voilà. Moi j'ai joué quand j'étais petit avec des consoles, quoi. Après, voilà quoi. Voilà, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il a pas joué. Donc voilà, donc du coup on est parti pour 20 minutes d'épisode, comme d'habitude, hein, 20 minutes d'épisode. Là du coup, petite précision pour cette saison, c'est au bout de 10 minutes, on peut lancer. Du coup là on peut lancer maintenant. Let's go! Du coup je vais reset juste le timer. Et c'est good. Et c'est parti. Vu qu'il y avait le speech, j'ai redémarré le... Allez. Hop. Attends, on va quand même faire un truc bien. On va quand même mettre mon pseudo correctement. Ouais, par contre le... 10h10, je suis en retard. Ouais, on tourne ça, il est 1h15 pratiquement du matin. Bonjour, je suis désolé. Là, c'est Professeur Chen. Par contre, évite d'utiliser le speed d'accélérateur. Ah! Ok. Ok, je t'y suis. Du coup, là, t'as une longueur d'avance. Excuse-moi. T'inquiète. Ouais, ça va, faut savoir que je connais pas vraiment les règles. Bon, je vais pas m'appeler God, je vais m'appeler pour mon vrai pseudo. Et du coup, pour faire RP, on pourrait se renommer en rival, parce que le rival, tu pourras le renommer plus tard. Enfin, moi, mon rival, ça sera toi, et toi, ça sera moi. Comme j'avais fait dans la saison 1, c'était trop marrant. Vas-y, c'est vrai. Bon, le milieu c'est Carapuce. C'est Caiminus. Attends, est-ce qu'il y avait une... Non, il y a... Non, il y avait rien. Ma mère, elle a pas économisé pour une potion. Ouais, ça, tu me dis de pas m'attarder sur... Non, mais des fois, t'as une petite potion qui peut t'aider pour les débuts du... De toute façon, t'es pas obligé de donner des surmontes. Ouais, mais je me fais stress, je suis allé trop vite. Oui. Comme vous savez, ça m'arrive de temps en temps. Ah, ça fait du bien de... Voilà, enfin, cette nouvelle saison. Ouais. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. En plus, on est... Enfin, entre guillemets, on est entre le dimanche et le lundi, donc voilà. Faut pas trop s'attarder là-dessus. Bien évidemment, tout sera tourné à l'avance, voilà, avant bien la sûr. Diffusion. Et voilà, et du coup nous avons dans lui. Du coup, voilà, je vais choisir mon starter. Lequel que je pourrais prendre qui pourrait m'avantager le plus dans la run. Et bah ben ouais, j'ai pris Kaimis. Ah, j'ai oublié d'augmenter le texte. Oh, ça va être chiant. Oh, moi il est bien gros le texte, hein. Et c'est quand que je vais utiliser le speed? Parce que tu me dis de ne pas l'utiliser, mais... En vrai, j'ai vu de l'utiliser pour cette série-là, quoi. Ok, je l'utilise pas, alors. Ok. Hop... Et tu veux que je t'attende un peu, pour que tu me rattrapes un peu? Non. Pas forcément. Ok. Faut se retirer. Et par contre, dès que tu tombes KO, tu seras obligé de reset ton jeu. Dès que t'as plus de Pokémon qui sont en vie, il y a une invention de Nuzlocke et tout ça, donc... Une capture par zone, 20 minutes d'épisode, un Pokémon qui meurt et on peut plus utiliser. Donc voilà. Donc ça c'est une zone du coup. Et du coup, si le dresseur n'a plus de Pokémon, hein, tous les règles seront dans la description. De toute façon, je suis pas de Pokéball. Et puis du coup, bah... De toute façon, les Pokéball, c'est bien plus tard dans le jeu qu'on les a. On les a pas direct. Ok, ouais, et ce qui est le pire, c'est qu'on a accès à un shop, mais ils nous ont mis que des potions. Les bâtards. Ah les chiens. Ouais. Eh, hey, tu vas pas perdre contre un Rattata, là, Caiminus. Normalement, tu peux pas perdre. Normalement, il tient une baie les Pokémon de départ. Ok. Hop. Oh, putain, ça... Ah. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah, trop cool. Ah, moi, je suis tombé sur Fouinette et Rattata. Allez. Allez, griffe. Ah, c'est vrai, ils ont pas leurs... C'est...
Ouais, ils ont pas leur attaque type haut en centre là. Ouais, ils ont pas leur attaque, genre flamèche, pistolet à eau. Ouais. Ça, c'est bon. T'as les 19 PV, mon. Comme ça. Toi, tu vas parler à tous les PNJ que tu croises ou rentrer dans les maisons ou. Non. Sauf dans les trucs importants où je sais qu'il y a quelque chose, mais. Vu que j'ai aucun souvenir des PNJ dans cette région. Je sais que bah c'est loin, on t'a de multi-expérience, mais faut arriver au 7ème badge, donc c'est un peu lointain. Puis du coup, vu qu'on est à deux versions, vous pouvez voir, l'une des deux versions n'a pas les mêmes skins des Pokémon, enfin les Pokémon sont pas du tout designés pareil. Ah ouais, okay. Bon, par exemple, mon Rockool, moi, il bête des ailes. Allez, ok. On peut faire chute dans les combats ou pas? Oui. Oh, fallait me dire plus tôt, ça. Moi, je faisais tous les combats. Bah, pour gagner de l'XP, c'est avantageux, quand même, parce que... Faut savoir que tu vas... Dans tous les jeux, tu bats ton rival. Et vu qu'en général, il a le type avancé plus efficace que toi... Et à partir de la 5G où t'as un rival qui prend le type désavantagé et en 7G aussi. Coucou Nabil dans Pokémon Bouclier. Quelle merde. Le respect. Et aussi tu peux cliquer sur des arbres bizarres là, il peut te donner des baies. Et des baies ça te donne 20 PS, 10 PV je crois. Donc c'est toujours ça de prix. Hein. Non mais tu veux ces trucs là moi, donc... Ok. C'est vrai, je pense... Le vieux nous aggroupe pas. Pour avoir la carte. Mais la carte, est-ce qu'on en aura besoin? Maison des guides. Zef. Voilà, là du coup... Ah tu m'as dit la première fois, elle sert à rien, ils vont juste des potions. Ouais. Je me casse, ça va. Par contre, moi, il m'a chance avec les Pokémon, mec. Je me fais tout le temps attaquer. Mmh. Ça va pour toi? De façon random. Plus de 3 minutes avant le petit défi. De toute façon, je vais le lancer avant... De toute façon, ça sera aléatoire. Il y aura plein de trucs pour pimenter le... Toi, je me fais même pas aggro, quoi. What the fuck? Allô, je veux de l'XP. Ah, quand même. Allez, mon gaming est passé de niveau 7. Allez. D'habitude, ce que je faisais, c'est quand je jouais à Pokémon, je montais tout le temps mon Pokémon, là, évoluer pour faire la première arène. Voilà, je crois que Kaimini s'est venu niveau 18, Erison 14 et Germignon niveau 16. Donc... Mais Kaimini, il évolue tard. Mais après, sa dernière évolution, elle évolue de bonne heure. Par exemple, moi, je sais que le mien, il va évoluer tôt, mais il va évoluer... Après, quand il va atteindre ce dernier stade, il faudra que j'attende longtemps. De toute façon, on le verra. Ouais. Ok. Comment j'ai pris Hérisson. T'as pris Hérisson, là, du coup? Frénésie. Mais il apprend brouilleur. Frénésie, ça fait des dégâts, ça, ou pas? Ouais. Ouais. Pas ouf, mais ça fait des dégâts quand même. Mais je crois que ça augmente au fur et à mesure des tours. Je sais plus. Ouais, C'est pas ouf. Oh, Last Mystère. Ah, ça va. Ah, Chunipot. Ah non, Aspicot. Chunipot. Je connais même plus les Pokémon. Ah, Chunipot. Putain, ma touche B va souffrir. Hein. Moi, c'est Y qui prend cher là depuis tout à l'heure. Je suis guise de spam. Il me fait un coup critique. Donc là, on est d'accord, c'est ceux qui veulent plus loin. Hein. Ouais, au bout de 8 épisodes. Ok. Épisode de 20 minutes, ah ouais. Ça, tu t'es pas regardé des speedrunners? Bah non, du coup, je savais pas qu'on allait faire ça aujourd'hui, quoi, donc un peu le temps. Rock en combat. Ah, le professeur Homme me rappelle. C'est un désastre. Au secours, on m'a volé.
Ouais, ah, du coup, t'es plus loin que moi, du coup, maintenant. Ouais. Ouais, je me suis fait aggro qu'une fois sur la route. Oh la chance. Bon, j'aurais préféré me faire aggro un peu plus souvent pour avoir de l'XP. Et là, je sais que je vais avoir le combat contre un rival. Et du coup, dans... Bah, je vais pouvoir l'annoncer. Du coup, générer... Du coup, on a 11... À 12 bonus et malus qui pourront intervenir dans un des 12 malus ou bonus qui seront attirés aléatoirement par le random.org parce que c'est mieux que papier. Voilà. C'est plus écologique. Non, c'est une question pratique. Voilà. Et du coup, bah, je vais pouvoir lancer le défi du jour. C'est le défi 3, ouais. C'est-à-dire pas le droit de... Oh non. Genre, on n'aura pas le droit de se soigner. On n'a pas le droit de se soigner? Ouais. Oh shit. Mais ouais. Enfin, quand je dis de soins, c'est en combat. Tu peux aller te soigner au centre Pokémon, bien évidemment. Oh, voilà. Bah si, alors. Par exemple, t'auras pas le droit d'utiliser tes potions, des trucs comme ça, des antidotes, des trucs. Ouais, mais par exemple, tout à l'heure, j'ai eu à montrer qu'il y a eu qu'il utilisait une baie. Mais ça, c'était via le jeu, mais c'est avant la règle, donc voilà. Du coup, la règle en cours, jusqu'à la fin, c'est la règle numéro 3. Ouais, j'ai le Pokédex. Ah bon. Oh, arrête de me parler, s'il te plaît. Merci. Ouais, j'ai un chenipan qui m'a infligé 6 PV durant le combat. Il m'a donné 30 points d'XP. Oh, je perds au niveau 7. Oh, moi, je suis niveau 8. Oh, ça me fait chier, je suis... La pire qui pourrait me tomber... Pour le début, quoi. je suis déjà perdu. Là, t'as juste à retourner au centre. Au labo. Au centre. Au labo Pokémon. En bas, là ? Ouais, faut que tu ailles revoir le professeur Horn. C'est-à-dire, faut que tu retournes au départ. À la ville de départ. Par exemple, là, on aurait eu le retour à la ville de départ. Voilà, ça aurait été fait. Ouais, en plus, je prends le chemin avec le plus d'herbe. Je suis un connard. Oh, mais non, mais je suis nul. Comment je pourrais battre mon rival? Avec des attaques brouillard et grand... Oh, je vais peut-être essayer ça. Voilà, le let's go. De toute façon, il va être niveau 5. Allez... C'est quel gâchis, il y a une mauviette. Putain, il me traite de mauviette. Ah mais attends, mais oui, putain, je peux faire. Vas-y, je fais que le bon, le mec aux cheveux rouges, là, il m'a traité de mauviette. Ouais. Et je crois qu'il va traiter de mauviette aussi. C'est pas le cas. Et du coup, toi, t'es... Question d'RP, là, t'es mon vrai rival. Parce que lui, il l'a Kaiminis, du coup. Alors, on va faire un gros yeux. C'est drôle. Pour où, je viens? Par là. Ah oui. Ah, il fait très mal. Il fait 4 PV à chaque fois. Et bah, qu'on va déjà contrôler les rivales, là. Ouais. Ah, la chance. La chance, je ne sais pas. Ah bah tiens, il est là, mon rival. Putain. T'es mort? En fait, j'ai baissé deux fois son cran de défense. Ouais. Je lui inflige autant de dégâts que lui, il me fait de dégâts. Sans la blessure. Les griffes, ça fait plus mal que... Un petit coup critique, ça serait pas mal. Mais il fait que griffes, hallucinant, c'est ouf. Je loupe mon attaque, je crois que j'ai loupé. L'attaque de Terminus. Mais il fait que griffes, c'est... C'est une autre attaque. Terminus lance, j'ai loupé. Au revoir. D'accord, au revoir. J'ai loupé. Allô, yes. Oh, coup critique. Yes. Mais j'ai perdu parce qu'il a loupé son attaque. Ouais, j'ai gagné 300$. Ouais, pour nous rendre sur Pokémon, ouais. Joseph. Fuck. Bon, bah j'ai le temps du coup. Tu veux que je t'attende un peu? Quelle arrogance.
Attends, mais mec, normalement tu me bats à Pokémon, donc là oui, je suis un tout petit peu content de... Oui. Non mais j'ai perdu sur une attaque qui a loupé, quoi. J'aurais pas loupé, j'aurais gagné. Ou alors il aurait fait un coup critique. Mais il m'a fugé trop de dégâts, puis l'arrêt qui tombe par le droit de soin. Putain, ça m'a saoulé. Ça m'a mis dans le fond. Putain. Bon allez, encore un combat. Vas-y, je vais le faire vu que ça m'a apporté... Moi j'étais niveau 6 quoi, j'étais niveau 6 du coup, je prenais trop cher. Ah ouais, j'ai juste eu 2 niveaux de plus que toi quand j'ai fait mon combat. Et ouais. Je perds du temps avec la maman là qui veut nous activer les heures et la date et tout le tatouin là. Trouve-toi des excuses. Tu m'as saoulé, maman. Ça y est, là je rebelle. Bah écoute, normalement qu'on peut... Dans les jeux Pokémon on part à l'âge de 10 ans, mais quand même. Racaille. Tu rivales. Je change pas de starter, je veux continuer avec le seul starter. Je t'ai juste appelé Brice, hein, aux œufs du TV. Hein. Je m'appelle Brice aussi, alors pas grave. Plus okay. Que 4 minutes et 14 secondes. Et du coup là, tu vas pouvoir avoir accès au Pokéball bientôt. C'est pour toi. Ah ouais? Et pas pour moi. Ouais. Nanana, ouais, nanana, tu vas le remettre, ouais, tu vas aussi bien, nanana. Rosarine, Pokémon, nanana, puis je trouve un Bovine. Et t'explique pour faire les... Oh, je dois prévenir ma petite maman. Mais méfie-toi, elle peut te demander si tu veux économiser de l'argent, fais gaffe. Non. De toute façon, elle prendra la moitié de ton argent, je crois, ton argent. Ouais, mais non, c'est ma thune. Oh, j'ai gagné durement. Tu me conseilles d'attraper qui, toi, en premier duel? Je sais pas. Moi, je pensais à un Roucoule. Je sais que t'as une arène vol, insecte, normal, spectre, combat, acier, glace. Merde. Et dragon. Non. J'ai pas envie. Non. Ah mais du coup je... Bah... J'ai été trop vite du coup elle garde mon argent. je crois que tu peux leur demander, je crois, derrière. Je crois. Ah, ok. Et j'utilisais tout l'espace qu'on fait... Enfin, le speed sur fait exprès. Ok. Maman, du coup, moi, j'ai perdu argent. Du temps parce que fallait que j'enlève la baie qui tient mon starter. Vu que c'est 10 soins, donc j'ai pas le droit. Retirer. Merde. Putain, je suis encore trop vite, ça m'en ouf. T'as rangé ta chambre. Retiré. T'as rangé ta chambre. Oh là là. Oh. Attends, j'ai 3300, bah je crois qu'on met 3300. En poche, retiré. Économie 0. Ah oh, c'est bon. En fait, tes 3300, c'est l'argent que t'as sur toi. Oh. Attends, je suis en train de me faire boulot. Mais là, tout à l'heure, où il y a eu le professeur Orbe, là, il y avait rien, je pouvais pas aller la suite. Je sais pas comment faire. Bah là, maintenant, t'as plus qu'à partir où c'est que t'étais. Oh, voilà, ok, jusqu'à la route du professeur Orbe, du coup. Bah là, du coup, là, faut que tu retournes à la ville Griotte et que tu montes tout en haut. Au lieu de prendre la partie droite, tu sais qu'il y a des hauteurs, faut t'aille au niveau des dresseurs. Et là, t'arriveras en mobile. Un recoup de niveau 2. Et bah non, pas envie. Bon, au pire, ouais, c'est ça le problème, tu prends un niveau 2. Certes, tu vas gagner de l'XP plus vite, mais pff,
C'est un temps que tu perds. Ouais, bon, niveau 2, quoi. Mais c'est du temps perdu, quoi. Surtout pour un challenge comme ça. Oh bah. Hop. C'est bon, il est soigné. J'ai 22 PV. C'est good. Oh, je te retiens là. Du coup, je vais prendre quand même des potions. En espérant de pas retomber sur la même règle. Parce que c'est possible de, de retomber sur les mêmes règles. Ça m'est déjà arrivé deux fois de suite. En deux épisodes. Deux fois la même règle. Fouinette niveau 3, non, j'ai pas envie. Moi, j'ai un recul niveau 5. Je sais pas si c'est possible de l'avoir niveau 5. J'ai gros personne. Mais c'est ouf, c'est la route du professeur. Du monsieur Pokémon. Ah, non, plus que 20 secondes. Est-ce que j'ai le temps de faire mon combat? Ça m'étonnerait. Putain, ça passe vite 20 minutes quand même. Ouais, 8, 7. Donc j'aurais clairement pas le temps. 4 secondes. Attends, moi j'ai essayé de m'arrêter là pour choper un Pokémon en vrai. Et on s'arrête. Je touche plus à rien. On touche plus à rien. Et j'ai fini sur un coup critique. J'ai fini sur un coup critique. Donc les amis, j'espère que ce premier épisode du Versus Pokémon Voyage à Johto vous aura plu. N'hésitez pas à lécher, à laisser un pouce bleu. Et de me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt pour la suite de l'aventure qui s'annonce fort palpitante. Parce que j'ai déjà perdu une fois. Il n'y a pas de Maddox. Bon, là, faut pas jeter la pierre. Il y a encore pas mal de trucs qui vont arriver. Voilà, c'est que le début. Voilà, c'est que le début. Donc voilà, donc je vous remercie. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine.